dans cette vidéo. Pourquoi j'ai des pets de fou? Et j'ai une animation! OMG, what the fuck? Mais non, je suis choqué! Wesh, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, l'animation? Wesh, non! Oh, what, what? Wesh, 3! What, what, what? Oh! Ok, les gars, dans cette vidéo, il y a un gros huge à gagner. Bon, comme d'habitude, vous le savez. Et les gars, le huge de fou qu'il y a à gagner aujourd'hui, les gars, c'est le huge de Petit Orange. Petit Orange, les gars, il est ultra actif et pour une fois, c'est pas un gros rat, parce que j'avoue que des fois c'est un peu un rat. Et il a décidé de faire gagner à la communauté YouTube un huge de fou. Et pas que sur YouTube, les gars, il a fait gagner deux huge. Et le deuxième huge, c'est sur Discord. Donc le jour où vous verrez cette vidéo, le concours sera encore sur Discord pendant 3 jours. Donc venez vite rejoindre le Discord parce qu'il a fait gagner un autre huge sur Discord. Deux huge pour le prix d'un, donc merci à toi Petit Orange. Et regardez-moi les gars, ce huge Rainbow Kangaroo, c'est l'un des plus beaux active huge. Et pour participer, c'est très simple, vous devez mettre le code, les gars, qui sera écrit de la même couleur que l'exemple tout en haut. Donc vous cherchez le code dans la vidéo et essayez les gars de pas spoiler les gens parce qu'il y en a, c'est des tricheurs et ils marquent code 2 points blablabla et du coup bah tous les tricheurs ils regardent les commentaires et ils trichent en regardant le code. Donc s'il vous plaît les gars, ne trichez pas et regardez la vidéo comme tout le monde. Et puis il y a aussi des petits cadeaux à gagner et dans cette vidéo il y a un cool cat et un cool dragon, donc très stylé. Un petit cool cat à 6 millions de gemmes et un cool dragon à 6 millions de gemmes. Donc voilà les gars, bonne chance à tous et ne trichez pas s'il vous plaît trichez pas. Ok les gars, dans la dernière vidéo il y avait un huge de fou à gagner, bon comme dans toutes les vidéos. Et on va tirer direct le vainqueur et c'est Maneas B. Je partis, mon pseudo c'est Maneas B et tu savais que dans les premières zones du jeu tu y avais un Skibidi Toilet Car. Et bah gros GG à toi, tu as trouvé le code secret les gars, c'était Skibidi le code. Et en plus regardez la vidéo, elle est incroyable pour gagner des gemmes. Du coup c'est parti les gars, je vais directement récupérer le petit huge qu'il y avait à gagner et aussi deux Valkyrie Dog. C'est parti et on va directement t'envoyer ton cadeau. Hop, c'est parti. Alors Maneas B, je mets le code et hop, je mets le huge de Phoenix qu'il voulait te faire gagner. Donc gros GG à toi et je t'envoie directement ton cadeau. Franchement gros GG, ça fait plaisir parce que t'es actif en plus. Et c'est parti les gars pour tirer au sort les deux autres vainqueurs. On a Nonoé, je participe code Skibidi, pseudo Nonoé, je vais copier direct. Tu as oublié une technique majeure dans le monde millionnaire, à la fin tu peux avoir 25 Leaf Gold niveau 7, c'est très très cher. 270 000 le livre, ah non 27 000, et tu peux en avoir 25, environ 1 million de gemmes. Et bah merci à toi Nono, je ne connaissais pas la technique. Ok franchement, très bonne technique de Nono. Malheureusement pour toi Nono, tu l'as compris, mais malheureusement, le huge a déjà été gagné. Mais est-ce que c'est très grave? Pas vraiment, parce que t'as quand même gagné un exclusif, et il y en a plein qui seraient très contents à ta place. Donc j'espère que t'es content, donc gros GG à toi, et c'est parti pour le troisième vainqueur. Ok les gars, et pour le troisième vainqueur, on a Clément Coronel. Incroyable tes vidéos comme d'habitude, je participe, mon pseudo c'est Clemsou. J'espère que je vais gagner, et Kwaku Skibidi NSQ. Et bah merci à toi, j'avoue que c'est grave drôle ce qu'il a dit, et du coup c'est parti pour lui envoyer son petit cadeau. Hop, le Valkyrie Dog, magnifique. Gros GG à toi, petit Clemsou. Et les gars, comme d'habitude, cadeau envoyé. Yo les gars, c'est NSQ, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui les gars, vidéo incroyable. Je pense que vous êtes tous hypés par Pet Simulator RNG les gars. Bon, le vrai jeu, c'est pas Pet Simulator, c'est Pets RNG. Et je pense que comme tout le monde, vous êtes trop pressés et vous avez trop envie que ça sorte. Malheureusement les gars, il y a un petit problème. C'est que bah ça fait au moins 3 semaines, voire même 4 semaines que l'on n'a plus de mise à jour sur Pet Simulator, puisque Big Games ils sont en train de travailler sur le nouveau jeu Pets RNG. Du coup les gars, on n'a plus aucun event et mise à jour depuis un mois. On a eu juste la nouvelle zone Pokémon qui est en plus pas très ouf, honnêtement, qu'on se le dise les gars. Du coup bah c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui jouent à Pet Simulator et on attend tous les gars le nouveau jeu Pets RNG. Du coup les gars, aujourd'hui on va jouer à 6 jeux, voire même 7 jeux de Pets RNG. Alors c'est pas celui de Big Games car il sort samedi normalement. Donc là quand vous voyez cette vidéo, il sort dans 3 jours le nouveau jeu. Et je serai en live sur YouTube pour le tester et tous les soirs à 20h30 sur Twitch. Du coup c'est parti les gars. Et juste avant que l'on teste les 7 jeux Pets RNG et que les gars je vais vous montrer tous mes huge. Et j'ai des titaniques, oh, incroyable. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai des titaniques de fou. Et vous allez tous péter un câble, vous allez vous dire mais comment t'as fait pour avoir ça, c'est une dinguerie. Et bah les gars, j'ai juste farmé et tryhard les gars, tout simplement. Il y a même certains jeux, je suis dans le classement mondial. Je suis le 7ème meilleur joueur du monde. Donc c'est vraiment une dinguerie. Donc regardez bien la vidéo les gars. Et en plus faut trouver le code secret de la vidéo pour trouver le huge. Enfin pour gagner le huge pardon. Du coup les gars, juste avant que ça commence, je vais vous montrer un truc incroyable. Et oui les gars, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas, c'est Pets RNG, c'est le jeu officiel, regardez. Il y a marqué par Big Games, RNG pour Animaux de Compagnie. Bon, le titre c'est Pets RNG, mais comme c'est traduit en français, c'est bizarre.
Il y a marqué entre parenthèses bientôt disponible. Et regardez en plus, je l'ai mis en favori, je l'ai mis à suivre et je ne peux pas liker parce que pour liker, regardez, il faut jouer au jeu. Et comme le jeu n'est pas encore sorti, on ne peut pas le liker. On peut voir, il n'y a que 7 likes, donc ça veut dire qu'il y a au moins 7 personnes qui ont joué au jeu. Donc c'est incroyable. Ici, les gars, on peut voir un petit peu qu'il faut tourner des dés pour les améliorations. C'est un spin-off de la série principale, donc ça veut dire que c'est un jeu hors série. C'est pas comme Pet Simulator 1, 2, X et 99. Donc là, c'est un nouveau, mais pas le vrai. Enfin, c'est le vrai, mais genre, je veux dire, pas la série principale. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, Pokémon, les gars. Ils ont fait Pokémon Rouge, Pokémon XY, Pokémon Soleil et Lune. Et bah ça c'est les vrais jeux. Et à côté ils ont fait par exemple Pokémon Arceus qui est pas un jeu principal. Donc je pense que vous avez compris. Du coup on peut voir qu'il y a 3 personnes actives qui sont en train de jouer. Il y a 50 000 favoris. Il y a 2000 personnes qui ont joué. Mais on sait pas si c'est 2000 fois les mêmes ou pas. Le jeu il a été créé il y a exactement 2 mois. Voilà. Quand vous verrez cette vidéo, ça fait 2 mois que le jeu est créé par Big Games. Donc ça fait 2 mois qu'ils travaillent dessus. Donc c'est quand même pas mal. Et la mise à jour, la dernière qu'ils ont fait c'était bah, aujourd'hui, le 8 octobre. Enfin moi, le jour où je tourne cette vidéo. Et pour l'instant, les serveurs, c'est que 8 personnes. Donc faudra vite rejoindre les gars quand je serai en live parce que 8 personnes, c'est pas beaucoup. Alors que moi, de base, j'aime bien jouer à des jeux où il y a 10 personnes ou 20 personnes dans le serveur. Mais là, 8, c'est pas beaucoup. Du coup, voilà. Il y a aussi des pets, des badges secrets, pardon. Donc pets RNG, vous voyez. Il n'y a pas de S pour pets. C'est vraiment PETRNG. Le P, c'est un P. Le E, c'est un ET. C'est bizarre. Le T c'est un T, le R c'est un R, le N c'est PAS, donc c'est bizarre, et le G c'est un G. Donc plutôt stylé, on peut voir que les badges ils sont faciles, tout le monde les a eu, en tout cas les testeurs. Et les gars, et oui, ce que je vais vous montrer maintenant, j'espère, je pense que vous allez être choqués. Bon déjà on peut voir ici, il y a 3 personnes qui jouent, mais je pense que si je rejoins ça marche pas. On va tester, attendez, imagine ça marche. Ça serait incroyable. Ouais non, je pense que ça marche pas. Ça doit être des testeurs du jeu. Du coup, regardez les gars, ce qui est incroyable et pourquoi je vous fais cette petite intro avant de tester les jeux, c'est parce qu'il y a 3 nouveautés et c'est des passes, donc des Game Pass. Donc c'est payant. Je vais pas les acheter maintenant, moi les gars, je vais attendre que le jeu y sorte parce que ça sert à rien de l'acheter alors que le jeu il est même pas sorti. Ça se trouve, je vais me faire arnaquer de l'argent en plus. Du coup, les gars, on a le ultra chanceux pour 800 Robux. D'ailleurs, je vais mettre un petit like. Ah non, on peut pas. On doit l'acheter pour liker. Et donc, ça augmente immensément la chance, il y a marqué. Et donc ça s'accumule avec le Lucky Normal. Et le Lucky Normal, il est juste là. Donc lui, c'est 800 V-Bucks. Et le Lucky Normal, c'est 275. Donc c'est assez rentable. Il y en a un qui a mis un pouce rouge en plus. C'est un rageux. Et du coup, regardez, ça augmente sensiblement la chance. Et le troisième Game Pass, c'est hyper D, les gars. Et hyper D, il y a deux dislikes. Donc ça veut dire que les gens, ils aiment vraiment pas. Et ça fait rouler les animaux super vite. Donc c'est un petit peu nul, je trouve. Parce que la chance, c'est incroyable. Mais là, pour juste faire rouler les dés plus vite. Ça sert pas à grand chose. En tout cas, ça coûte 1200 V-Bucks, donc c'est très cher. Et ce n'est toujours pas des V-Bucks, c'est des Robux. Je suis un peu bête. En tout cas, en parlant de Fortnite, n'hésitez pas à mettre le code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Parce que ceux qui savent pas, les gars, j'ai un code créateur Fortnite. Mais pas sur Roblox et sur Brawl Stars. Pour l'instant, que sur Fortnite. Donc n'hésitez vraiment pas pour me soutenir. Ça me ferait très 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 plaisir. Ok les gars, on a assez parlé de Pet Simulator RNG de Big Games. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Avant, on va récupérer les psychados. Et du coup, les gars, on va tester les 7 pets RNG. Alors, les gars, je vous préviens à l'avance, ceux qui ont vu la partie 1 et la partie 2 où je testais 3 jeux chacun, donc 6 jeux, et ben on va faire les 6 mêmes jeux, donc ça va être exactement les mêmes, sachant que dans les 6 jeux, il y en a un qui avait été banni, et les gars, j'ai une annonce de fou à vous dire, c'est qu'il est de retour, les gars. Le jeu qui a été banni par Big Games est de retour, ils l'ont recréé avec un nouveau studio, donc on va le retester aujourd'hui, les gars, même si malheureusement, tous les huge que les abonnés m'avaient donné en Rainbow, ils sont plus dans mon inventaire, mais c'est pas grave, et aussi, du coup, vous êtes pas bête, je vous ai dit qu'il y avait 7 jeux aujourd'hui, c'est parce que il y en a un nouveau que j'ai trouvé qui est incroyable pour Halloween en plus. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite les gars. Let's go. Ok les gars, je suis arrivé sur le premier jeu. Et les gars, je suis quand même gentil, je vous ai fait commencer par le nouveau. Donc là, c'est le nouveau jeu qui vient de sortir pour Halloween. Donc c'est Pets RNG version Halloween. Et on peut voir que c'est littéralement le même que celui de Big Games. Donc c'est assez rigolo franchement. Oh, il y a Cars, incroyable. Les gars, je veux que vous marquiez tous dans les commentaires Cars la voiture de fou. Vous marquez tous Cars et il est trop beau. Bon bref, il y a Naruto aussi. Bah vous marquez Cars et Naruto, ils sont trop rigolos. Bon bref, du coup les gars, on commence tout de suite par le premier jeu. Et c'est un nouveau qui vient de sortir du coup, comme je vous l'ai déjà dit, pour Halloween. Et c'est vraiment un copier-coller de Pets RNG. Donc j'espère que le jeu va pas être supprimé par Big Games. Parce que là, c'est vraiment chaud franchement, c'est un copier-coller. Et du coup dans cette vidéo les gars, on fera ensuite les 6 jeux que j'ai déjà fait. Plus le retour d'un ancien qui a été banni.
Et je vous préviens les gars, si je rejoue aussi jeu que dans les mêmes vidéos, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai tryhard hors vidéo avec des abos, par exemple avec Axir et Blauz, mes administrateurs, avec Kenzo, Léo, Petit Orange, etc. Plein d'abonnés. Et on a tryhard et on a packé des dingueries de fou. Il y avait King aussi d'ailleurs. J'ai oublié King le boss. Du coup ouais les gars, on a pack des Titanic, donc je vous spoil pas et vous verrez après. Du coup ici qu'est-ce qu'on a de beau? On a des améliorations, ok. Ici on a des récompenses de rang. Ici, on a un truc pour avoir des clés, mais c'est pas encore disponible. Ici, on a le marchand de dés. Très stylé, très stylé. Ici, on a le dice crafting. Donc, c'est littéralement comme Big Games. Ah ouais, mais ils ont tout plagié. Oh, mais les gars, vous savez qu'ils vont se faire bannir. Oh la dinguerie. Ils vont se faire bannir. Bah, les gars, profitez vite de jouer au jeu. Vraiment, vraiment. Jouez vite au jeu parce qu'il va bientôt se faire bannir. Parce que là, vraiment, les gars, c'est une copie-collée de Big Games. Donc là, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, moi, c'est pas grave parce que j'aime bien. Du coup ici on a quoi? La Trading Plaza. Attends, me dis pas que c'est une vraie Trading Plaza. Ah elle a l'air buggée. Bon je crois qu'elle marche pas. Ici du coup on a nos pets. Qui ne marchent pas non plus. Ah là on a quoi? Ah mais le jeu il est buggé de malade. En fait les gars ils ont tout copié le jeu. Ils ont tout copié mais ça marche pas. Et du coup si je roll il se passe quoi? Mais wesh il se passe quoi? Il se passe quoi? Wesh, le jeu il est buggé, ça m'a téléporté dans la Trading Plaza. Ah ouais, mais en fait c'est pour ça. Comme ils ont copié le vrai Big Games Pet CRNG. Genre les gars, c'est littéralement le vrai celui-là. Ils l'ont plagié. Du coup, c'est pour ça qu'il bug de ouf en fait. Waouh, la dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'attends que ça charge et puis je vous retrouve. Ok les gars, j'ai été téléporté dans la Trading Plaza. On peut voir qu'il y a plein de nouveautés. Et la Trading Plaza, elle a l'air un peu buggée parce que bon, ça m'a pas téléporté à la Trading Plaza, ça m'a téléporté dans le monde normal. Donc c'est assez bizarre. D'ailleurs, ici, on avait des récompenses. Hop. Wesh. C'est quoi ça? Wesh, what the fuck? Mais le jeu, il est cassé. Bon, les gars, jouez au jeu avec précaution, hein, parce que il est un peu pété. Du coup, bon, bref, on s'en fiche. Ici, on a nos pets, on a nos... Oh, on a un dé. Oh, un dé à 1 milliard de pourcents de chance. Bah alors là, j'utilise direct. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Oh! Wesh, 1 sur 30 000. Oh là là, incroyable. Bon, le jeu il bug un peu, les gars. Mais franchement, il est vraiment bien. En fait, c'est littéralement le vrai genre. Genre, vraiment, c'est le vrai jeu. Genre, bon, c'est pas le vrai officiel, vous avez compris quand je dis le vrai. Mais c'est le vrai, genre, ils ont tout copié. Vous avez vu, il y a la fontaine, ils ont refait les mêmes endroits, ils ont refait les mêmes machines. Genre, tout est pareil. C'est vraiment trop bien. Bon du coup par contre les gars le jeu va pas durer longtemps. Regardez, il y a marqué ici en plus Join fast, ça veut dire rejoignez rapidement. Et ils ont raison, parce que le jeu va bientôt être supprimé. Mais c'est normal en même temps. Ils ont carrément plagié le jeu, c'est des malades. C'est des malades les gars. Donc profitez-en et jouez vite parce qu'il va bientôt être supprimé. Je peux vous dire Preston les gars, vu comment il est musclé. D'ailleurs j'avais fait une vidéo, la vidéo où il y a une miniature avec One Punch Man les gars. C'est une vidéo news. Et bah dans cette vidéo je vous montre Preston comment il est musclé avec ses abdos. Je sais que c'est bizarre mais s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. En tout cas bref, Preston il va les taper. Je peux vous dire il va bien les taper. Attention, ok nice. Bon les gars je pense qu'on va changer de jeu hein, parce qu'il est un peu buggé. Bon après il est très très bien, je pense que c'est l'un des meilleurs. En fait il y a trop de trucs partout. La map elle est trop grande, il y a des pets partout, il y a une boutique, il y a un inventaire. Tu peux améliorer tes trucs partout. Il y a des améliorations de fou, il y a une Trading Plaza qui est buggée, il y a un tableau de bord. Enfin, le jeu est complet, les gars. Il est vraiment complet. En plus, c'est pour Halloween, mais c'est vraiment dommage parce qu'il est un peu buggé. Du coup, les gars, on passe tout de suite au deuxième jeu. Et celui-là, vous allez être très contents, vous savez pourquoi? Parce que c'est le retour d'un jeu qui a été banni, les gars. Et oui, c'est pas souvent qu'il y a des jeux bannis qui font leur retour. Et bah là, les gars, le jeu, il a été complètement supprimé de Roblox et banni. Et il est de retour, donc c'est parti, on y va tout de suite. Et oui les gars, nous revoilà sur le jeu qui a été banni. Regardez, ils ont corrigé des bugs, il y a des nouveaux codes, il y a des nouvelles zones, des nouvelles auras et une mise à jour avec un cœur. Et du coup les gars, regardez, je pense que vous vous rappelez de ce jeu. Et bah il est de retour, c'est incroyable franchement. Franchement, ils se sont pas laissés avoir les gars. Ils ont persévéré, ils ont été bannis du jeu et ils sont quand même de retour. Donc franchement, c'est très très cool de leur part. Par contre les gars, jouez à votre risque et péril. Parce que si Roblox il supprime le jeu. Oh, en plus, je me rappelle, j'avais toutes les mises à jour. Oh là là, enfin, pas les mises à jour, les améliorations. Non, j'avais toutes les améliorations au max. Attends, je vérifie mon inventaire. Oh non. Les gars, j'avais tous les huge du jeu presque. En rainbow et tout. Oh non, je suis trop deg. Purée, j'avais toutes les zones en plus. Regardez, vous voyez les zones là-bas?
J'avais tout, les gars, je vous promets. Oh là là, je suis dégoûté. Oh non, bon bah c'est la vie, les gars. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, je vais quand même vous présenter un petit peu, du coup, les marchands, etc., l'artisanat, pour avoir des meilleurs dés. Là-bas, je vous ai déjà montré les marchands des clés. Mais du coup, ouais, les gars, c'est un jeu qui a été banni, qui est de retour. Et c'est franchement trop bien. Et les gars, je sais que c'est l'un des jeux avec les abonnés que vous aviez le plus tryhard. Je sais qu'il y a plein d'abonnés qui avaient tryhard ce jeu. Donc c'est vraiment trop bien. Et puis, à chaque fois, je faisais des lives sur ce jeu. Et tout le monde adorait ça. Je sais que c'est l'un de votre jeu préféré de PetsRNG. Parce que du coup, comme dans cette vidéo, je vais vous le montrer, on va jouer à 7 jeux PetsRNG différents. Et bah, les gars, je crois que c'est l'un de votre préféré. Donc c'est très bien. D'ailleurs, les gars, je vous reprécise, mais dans la vidéo, le premier jeu qu'on a fait, bah, juste avant celui-là, c'était un nouveau jeu que j'ai trouvé qui a littéralement plagié Big Games. C'est un gros plagieur pour la mise à jour d'Halloween, donc c'est un nouveau jeu. Celui qu'on a fait, bah, juste maintenant, c'est un jeu qu'on avait déjà tryhard. J'avais des huge Rainbow Shiny. Malheureusement, les gars, le jeu a été banni et il est de retour, donc c'est pour ça que j'ai rien. Par contre, les gars, je vous le dis direct, les 5 prochains jeux, ils sont jamais été bannis et je les ai tryhard. Genre vraiment, les 5 jeux que j'ai fait en vidéo, dans la partie 1 et la partie 2, si vous avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je les ai tryhard hors vidéo avec des abonnés. Et on a eu des masterclass de malades. Des Titanic, des Huge Rainbow. Je vous spoil pas les gars. Il y a même un jeu où je suis dans le classement mondial. Je suis l'un des meilleurs joueurs. Donc vous verrez juste après. En tout cas, c'est parti. Là, on rolls un petit peu. On espère avoir assez de pièces. Vous voyez qu'il me faut 200 pièces. Donc là, je vais équiper mes meilleurs pets. Vous faites équiper les meilleurs. Hop. Et du coup, regardez, vous devez casser comme ça. C'est un peu comme Pet Simulator X. Ceux qui connaissent Pet Simulator X, et bah en gros tu poses tes pets sur un item et ça le casse. Malheureusement, les miens sont pas assez puissants. Du coup, je vais aller dans les zones un peu plus basses. Et du coup, bah si jamais il y a des gens qui tryhardent le jeu et qui veulent bah, me rendre mes pets que j'avais perdus et qui ont, bah regardez par exemple l'araignée comme ça, je l'avais en huge. Bon là, lui, il a pas en huge, mais moi je l'avais en huge, les gars, en huge rainbow et je suis un peu triste. D'ailleurs, Sato, ah non pas Sato, Sado. Bon, Sato et Sado, j'ai un peu confondu. Sado, si tu te rappelles. Comment tu m'avais donné plein de trucs. Et bah frérot, je suis désolé pour toi, mais tous tes pets ont été supprimés vu que le jeu a été banni. Mais bon, ça tu le sais déjà. Ok, bref, on continue. On rolls un petit peu les gars. Et je pense qu'on va passer à peu près 5 minutes par jeu. Pour pas non plus faire chier tout le monde. Parce que je sais qu'il y en a certains qui adorent certains jeux. Genre, il y a certains jeux, vous les adorez de ouf. Et il y en a d'autres que vous détestez. Du coup, c'est pour ça. Je vais faire 5 minutes par jeu. Comme ça, si jamais il y a un jeu que vous aimez pas, et bah je le fais pas longtemps, vous inquiétez pas. Ok, on continue, hop. Oh purée, dommage. Il est pas mal, mais c'est pas un huge ça. C'est vraiment dommage. Ok, ça c'est pas ouf. J'ai toujours pas de ticket. Je sais pas, il faut que j'ai quoi pour avoir des tickets. Ok, on continue. Ah, oh, dommage. D'ailleurs, les gars, je précise dans la vidéo, mon micro peut-être qui sature un peu. Donc, sature, ce qui ça veut dire, ça veut dire qu'il grésille ou alors la voix elle est un peu grave et tout. C'est parce que les gars, j'ai paramétré mon micro pour que le son il soit au max. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Parce que bah, si le son il est trop trop fort, bah ça va vous faire chier. Mais normalement, ça devrait aller, je pense. Surtout sur les lives, ça doit être super fort sur les lives Twitch. Ok, allez, c'est parti. Et bon, les gars, j'ai vraiment pas eu de chance. Donc je pense qu'on va s'arrêter. Mais juste avant, on va ouvrir le coffre. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Tout le monde met un like pour me porter chance, les gars. Mettez tous un like, pouce bleu, c'est bon. Est-ce que vous avez liké? Oui, c'est bon. Ok. Je pense que tout le monde a liké la vidéo. Allez, 3, 2, 1, let's go. Allez. Oh, pas mal, mais pas ouf. En tout cas, je l'avais pas. Je l'avais pas, donc c'est cool. Mais c'est pas non plus une dinguerie. Ah si, je l'avais. Oh, bah vas-y. Trop nul. Mais au moins, vous m'avez porté chance avec vos likes. Merci. Allez, on change de jeu directement, c'est parti. Les mecs, on se retrouve sur le troisième jeu. Je vous rappelle, il y en aura 7 dans cette vidéo. Et les gars, ce jeu-là, j'ai fait exprès de vous le mettre maintenant et pas à la fin de la vidéo parce que je suis pas un bâtard. Mais les gars, c'est le jeu que j'ai beaucoup tryhard avec principalement Kenzo, King, Léo et Shin. Je crois que c'était tout. Si j'oublie des gens, je suis désolé, mais normalement, je crois que c'est tout. Et les gars, je vous montre pas maintenant parce que je l'ai gardé dans mon inventaire. Bah oui, parce que si je vous montre maintenant, c'est trop facile. Mais sachez les gars que j'ai tellement tryhard ce jeu que j'ai le meilleur pet du jeu. Donc ce n'est pas évidemment celui-là. C'est pas lui le meilleur. Lui, c'est je crois le deuxième ou troisième meilleur. En tout cas, les gars, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je sais que il y a aussi trois autres abonnés qui ont le meilleur pet comme moi. Et les gars, est-ce que je vous spoil? Non, je vais pas vous spoiler. Vous allez attendre un petit peu. Du coup, regardez en bas à gauche, j'ai plein de boosts, les gars. Donc ça fait plutôt plaisir.
Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les techniques sur ce jeu. Donc regardez, là vous avez vos objets, mais je crois que je les ai déjà tous utilisés. On peut fabriquer, les gars, des auras, donc ça c'est plutôt stylé. Hop, et des potions de chance, des dés dorés, etc. Donc le mieux c'est d'avoir les dés arc-en-ciel, des potions de chance niveau 3 et la meilleure aura, bien évidemment. Dans la boutique, bon, c'est comme d'hab, c'est payant, je vous conseille pas. Et quand vous avez Rolls 250 fois, donc comme moi, vous pouvez aller dans la grotte et vous avez x3 chances. D'ailleurs, je crois que si vos amis jouent avec vous, vous avez encore plus de chances. Et regardez juste, les gars, ce pet, c'est même pas le meilleur. Et regardez, 8 milliards, regardez, 8B, c'est une dinguerie. Du coup, on va Rolls un petit peu. Et puis, les gars, dès que j'ai fini de Rolls, je vais vous montrer le meilleur pet. Genre, c'est une dinguerie, vraiment. Oh, d'ailleurs, ce petit panda, c'est le panda de Pets RNG. Ils ont voulu faire un petit clin d'œil à Pets RNG. Parce que regardez, les autres pets, c'est des pets normaux. Mais le panda, c'est vrai que c'est... il me fait penser à Pets RNG. En tout cas, c'est parti. On rolls, on rolls, on rolls. Vous voyez que j'ai bien tryhard en plus. Parce que regardez, j'ai des dés bleus. J'ai la meilleure aura niveau 3. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est parti. On continue, on continue. Et les gars, vous savez pourquoi j'ai continué à jouer à ce jeu? C'est parce que justement, il y avait Kenzo et Léo. C'est deux méga potes sur le serveur Discord. Ils jouent tout le temps ensemble. En plus, ils sont trop nuls à Valorant. Et du coup, les gars, ils étaient en vocal sur Discord et ils étaient en train de packer des titaniques de malade, genre vraiment. Quand je vous dis des titaniques de malade, bah vous verrez juste après. Et du coup, comme ils m'ont nargué et ils m'ont dit, vas-y, toi, regarde, tu l'as même pas et tout, blablabla. Et bah, les gars, j'ai lancé le jeu et pendant au moins 1 heure ou 2 heures, j'ai tryhard avec eux en vocal. D'ailleurs, ceux qui veulent parler avec moi, les gars, sachez que je suis très actif sur Discord, sur mon serveur, bien sûr. Je réponds à tout le monde. Bon, j'essaye quand vous me pinguez, donc quand vous m'arrobasez. Comme ça, je sais que quelqu'un veut me parler. Oh, attendez, calamar sucré. Attendez, je viens d'avoir une dinguerie. Il est où? Attends. C'est celui-là? Oh, mais je l'avais déjà. Oh, mais il est trop stylé. Regardez. Bon, je l'ai en double. Donc, si quelqu'un le veut dans les commentaires, vous me dites, je veux bien le calamar sucré. Oh, dragon au chocolat. Il est stylé, lui, mais je crois qu'il est pas très rare. 5 millions, c'est pas mal quand même. Du coup, bref, ouais, je disais, je suis très actif sur mon serveur Discord, donc ceux qui veulent venir en vocal pour parler avec moi, pour jouer avec moi, n'hésitez pas, franchement, et même juste pour parler dans le Discord. Par contre, sachez, les gars, que sur le Discord, et même sur les live Twitch le soir, je suis vraiment un peu foufou. Donc si vous voyez, des fois, je dis des dingueries, c'est normal. Bon, je dis pas non plus des dingueries de fou, mais quand je dis des dingueries, ça veut dire, je sais pas, moi, je dis, par exemple, OMG, ce skin Fortnite, il a vraiment un... Un big, t'as capté. Enfin voilà, t'as capté. Mais bon, ça c'est que les gens de Discord qui peuvent savoir. Et j'ai eu quoi? Oh, Ethereal. Oh là là. Regardez, ça m'a mis dans le chat global tellement c'est une dinguerie. Attends, c'est celui-là ou pas? Non, c'est lui. Oh, mais je l'avais une seule fois, je crois. Attends, je suis pas sûr que ça soit lui. Non, c'est peut-être pas lui. C'est lequel? Je sais même pas. C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lui? C'est lui? Bon, c'est peut-être lui. Ou c'est pas lui? Bon, je sais pas. En tout cas, il est incroyable. Il s'appelle All Sing Eyes. Ok, mais je crois que je l'avais déjà de toute façon. Du coup, ouais, les gars, rejoignez le serveur Discord. Vraiment, c'est le meilleur serveur Pet Simulator. On fait des concours tout le temps de Huge. Donc, vraiment, venez, venez. Et soyez pas choqués du coup si vous voyez que je dis des dingueries. Et même les modos, on est vraiment. C'est un serveur où on dit tous des dingueries. Parce qu'on adore trop rigoler et s'amuser et dire des blagues. Du coup, c'est parti. Let's go. Je vous montre, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous êtes pas prêts. Bon, déjà, je vous montre le troisième meilleur que j'ai. Regardez-moi ça, les gars. C'est une dinguerie. On dirait même pas un pet carrément. Et les gars, ceux qui étaient là sur mon live Twitch, vous le savez, regardez. 3, 2, 1. Le Père Noël Royal Titanic, Paul. Bon, c'est pas du tout un Père Noël, mais je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Parce que je pense qu'il est sorti à Noël. Regardez, les gars. Oh, oh là là. Ceux qui étaient là avec moi sur le live Twitch, quand on avait testé des jeux RNG, et bah, y avait un mec qui l'avait packé devant moi. Et j'étais jaloux, les gars. J'étais ultra jaloux. Parce que c'était le Titanic le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Dites-vous, les gars, le Titanic, il est plus beau que ceux de Big Games. Et je ne blague même pas. Regardez comment il est incroyable. C'est une dinguerie, les effets spéciaux et tout. Regardez comment il est grand comparé à moi. On peut même pas le voir en entier. Non, vraiment, c'est une dinguerie, les gars. Il coûte 26 milliards. Et dites-vous qu'il y a 3 abonnés qui l'ont pas qu'avec moi. Et on a fait une photo. Je l'ai mis sur le Discord si vous voulez regarder. Et regardez comment elle est trop stylée. Du coup, voilà, les gars. Incroyable. Franchement, j'adore ce jeu. J'ai eu des dingueries. Et les gars, on se retrouve directement sur le jeu suivant. Et voilà, on est directement sur le jeu d'après. Et celui-là, les gars, c'est l'un de mes préférés, vraiment. En fait, il est tellement chill et tellement bien. Donc les gars, regardez, c'est celui-là. Je pense que vous en rappelez. De toute façon, je les ai tous fait en vidéo, sauf le premier, parce que c'est un nouveau le premier. Et du coup, celui-là, les gars, j'ai tellement tryhard. Et il y a un abonné qui s'appelle Nathan. Tu vas te reconnaître, mon petit Nathan. C'est le pote de Tiproot. Et bah les gars, Nathan, c'est un malade. Il a tryhard ce jeu.
Je sais qu'il y a certains abonnés, vous verrez dans les jeux d'après, qui ont tryhard, qui sont dans le top mondial. Mais là, les gars, Nathan, il a des pets à 30 millions, 40 millions, alors que moi, j'ai que 100 000. Genre, 100 000, c'est une dinguerie, c'est ultra rare. Mais lui, il a 40 millions, c'est quoi ça? Vous voyez que d'ailleurs, je suis le premier dans mon classement. Du coup, regardez, je vous montre ce que j'ai pack. J'ai packé, du coup, la rareté mythique. J'en ai un à 225 000, 200, 125 000, 110 000. Et dans la rareté un petit peu grise-jaune, j'en ai un à 100 000. J'en ai même en double d'ailleurs. Même le slime, je l'ai en double. Et du coup, les gars, sur ce jeu, la particularité, c'est que quand vous rolls, vous avez un œuf. Bon, vous le voyez presque pas parce qu'il est invisible. Et ça vous donne des pets. D'ailleurs, regardez. Moi, j'ai réussi à améliorer mon pet. Parce que pour l'avoir en vert, parce que de base, vous l'avez en normal. Regardez, vous avez un œuf normal. Et pour l'améliorer, vous devez avoir 5 lions, 3 slimes de lave et un robot rhinocéros. Et du coup, dès que vous les avez, le jeu il va vous les prendre. Donc, c'est un peu triste. Et vous pouvez avoir un nouvel œuf. Donc, moi, j'ai réussi à avoir celui-là. J'ai pas encore les autres parce qu'ils sont vraiment très rares à avoir. Et du coup, les gars, je vais vous faire en même temps un petit tuto parce que je le connais plutôt bien le jeu. Pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Du coup, ça, c'est pour roll. Vous pouvez rolls automatiquement. Regardez juste là, en appuyant ici. Donc, c'est plutôt stylé. Le reste, c'est payant, les gars, je vous montre pas. Et ici, les gars, vous avez des petites quêtes. Alors, la première quête, c'est pour avoir une potion niveau 1. Là, c'est une potion niveau 2 et là, c'est une potion niveau 3. La première quête, vous devez juste jouer un certain nombre de temps. Donc là, vous voyez qu'il faut jouer, par exemple, 1h30. Et si je joue 1h30, eh bien, je vais avoir une potion niveau 1. Ici, les gars, c'est les roulettes. Ça veut dire, moi, j'ai rolls, du coup, l'œuf, c'est comme ça, je vous montre. Voilà, j'ai rolls, l'œuf, pendant 1600 fois. Et si je le fais 2000 fois, j'ai une potion. Et pareil, ici, les gars, c'est la chance. Donc, la chance pour savoir comment le faire. En gros, c'est en fonction de vos animaux. Par exemple, lui, il donne 28 chances, 26 chances, etc. Et vous voyez que moi, j'ai 101 chances au total, plus un boost de 10%. Donc, ça me donne 122 chances. Et du coup, si j'en ai 170, j'ai une potion. Donc, c'est plutôt stylé. D'ailleurs, je vais vous montrer tous les easter eggs de ce jeu. Vous devez passer juste ici. Hop. Vous allez juste là. Hop. Vous passez ici. Vous faites un petit parcours. Hop, hop, hop. Oh, j'ai eu un slime de lave. Trop bien. C'est celui qu'on a besoin en plus pour faire l'amélioration de l'œuf. Mais bon, moi, je l'ai déjà. Et les gars. Dans ce jeu, sachez qu'il y a deux potions. Alors, j'ai jamais trouvé la troisième potion, donc la potion niveau 3. Peut-être qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, la potion niveau 1, elle est juste ici. Hop, et c'est toutes les 5 minutes, les gars. Oh, what? J'ai une balle Tesla à 400 000. What, what, what? Wesh, je l'ai jamais eu cette rareté. Rareté verte, oh la dinguerie. Je suis choqué. Oh là là, elle est incroyable en plus. Oh là là, je suis choqué. Du coup, les gars, regardez. La petite, elle est juste là. La première potion niveau 1. En tout cas, là, je viens de pack mon meilleur pet devant vous. Hop, la potion niveau 2, je vais vous montrer où elle est, les gars. Et par contre, si jamais quelqu'un sait où il y a la potion niveau 3, ou alors elle n'existe pas peut-être. Peut-être qu'elle n'existe pas, mais si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. Du coup, regardez, vous montez juste ici, hop, juste là, juste là, juste là. Hop, juste ici, bam, 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 boum, boum. Hop, juste là. Et là, vous avez la potion niveau 2. Tadam! Et elle vous donne énormément de chance. Regardez, là, je suis à 150%. Et ici, vous avez une quête d'index. Donc là, la quête d'index qui est juste là, c'est quand vous allez pack 50 pets. Donc moi, vous voyez, j'en ai plus que 50. Du coup, les gars, j'ai réussi à récupérer la quête qui était là. Et je crois que ça vous donne une potion niveau 3, je crois. Hop, mais vous pouvez la faire qu'une seule fois, malheureusement. Ok, ensuite, on descend là. Du coup, là, le craft, je vous l'ai déjà montré, c'est pour les œufs. Il y a des petites maisons, mais ça sert à rien. Et ici, vous avez votre index, mais là, pour voir vraiment tout l'index. Donc regardez, il y a 158 pets dans le jeu. Franchement, moi, je suis bien avancé, mais je suis bien avancé, mais pas assez bien, regardez. Tout ça, les gars, c'est les meilleurs pets et c'est des dingueries. Vraiment, là, je pense que je les aurai jamais. Il y a 40 millions, 1 milliard et tout. Mais au moins, je suis quand même bien avancé, donc c'est cool. Et en plus, là, je viens d'avoir une nouvelle rareté de malade, la boule Tesla. Je suis vraiment très content. Du coup, on avance un peu. Hop. Et le dernier truc que je dois vous montrer, c'est juste ici, dans la grotte. Et d'ailleurs, s'il y a, bah, comme je vous le dis, des easter eggs que j'ai pas trouvé, n'hésitez pas à me le dire parce que je crois que j'ai tout trouvé, mais on sait jamais. Là, hop, un petit parcours. Et dans la grotte, les gars, c'est une quête comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, il faut 100 pets et pas 50. Et après, vous allez gagner, je crois, bah, multi-roll, il me semble. Donc, ça, c'est super cool. Du coup, voilà, les gars. Ça, c'était un petit tuto de ce jeu. On va continuer à roll pendant 40 secondes vu que j'ai une potion niveau 2. Donc, c'est très bien. Et puis, juste après, on va changer de jeu. En tout cas, celui-là, il est très bien. J'ai des dingueries quand même parce que je peux vous dire 400 000, les gars. Bonne chance à vous, ceux qui vont tester le jeu. Vous l'aurez pas tout de suite, je peux vous le dire. Parce que c'est un jeu avec des chances vraiment dures. Et en plus, il faut des potions et tout. Donc c'est vraiment, vraiment dur, les gars. C'est un jeu où ça grind petit à petit. Et il faut tryhard. Du coup, voilà, les gars. Pour ce jeu, incroyable. Et moi, c'est l'un de mes préférés parce qu'il est très chill. Et ça rappelle l'époque Minecraft avec le sol et tout. Ici, vous avez le petit classement en plus.
on peut voir que le top 100, c'est 1300 chances. Donc c'est vraiment une dinguerie. Il y a plein de gens qui tryhardent. Et ici, les gars, le roll, c'est 500 000 rolls. Et c'est Alex. Est-ce que c'est Alex mon abonné ou pas? Je crois pas, les gars. Je crois pas du tout. Bref, on a assez rolls pour aujourd'hui. Et on va directement aller sur le jeu d'après. Ok, les gars, on est directement sur le jeu d'après. Et regardez-moi, les gars, cette dinguerie. Bon, déjà, il y a plein d'abonnés. Je savais même pas. Regardez, ils sont trop contents. Wesh, GG pour ton pet, yo. Wesh, ils sont trop contents. Mais bah, salut à tous les abos. Du coup, les gars, sur ce jeu, je suis dans le top mondial. Je vous l'avais promis. Oh, regardez, il a quoi? 75 000. Oh, GG. Il a une dinguerie. Du coup, moi, les gars, regardez-moi ça. 180 000. D'ailleurs, c'est un abonné qui est dans le top, dans le classement mondial, regardez. Il est top 9 en termes d'heures jouées. Top 46 des pets. Et top 8... Top 8 de dés. Donc ça, je vous expliquer après de toute façon. Au pire, je vous expliquerai. Hein, et puis voilà quoi. Du coup les gars, ici c'est le temps de jeu. Donc en fonction de combien de temps tu joues, tu peux être dans le classement. Donc ceux qui jouent très longtemps, vous pouvez être dans le classement. Ici c'est le plus de rouleaux. Ça veut dire le nombre de rolls. Donc les rolls, c'est ça, regardez. Dès que vous rolls un pet, les gars, malheureusement sur ce jeu, l'animation est un peu bizarre avec un pet secret, attention. Et Phoenix, pas mal. Du coup les gars, le plus de fois que tu rolls, et bah moi j'en ai 700 par exemple. Ici les gars, vous avez animaux de compagnie le plus rare. Donc ça les gars, c'est en fonction de ton pet. Donc moi regardez les gars, je suis dans le classement. Regardez, juste là, et oui les gars c'est moi. Attends, je vais zoomer au max. Prince End, top 7, c'est une dinguerie. Et les gars, il y a un quatrième classement un peu secret. C'est celui-là, et c'est le classement des donateurs les gars. Et moi comme je suis un pigeon, et bah j'ai donné de l'argent dans le jeu. J'ai donné 10 balles, plus de 10 balles, enfin je sais plus. Et du coup regardez, normalement je suis quelque part par là. Bah en tout cas il y a Blaze mon administrateur, mais moi aussi je suis dedans normalement. J'ai donné plein de Robux au jeu. Mais du coup bah attends, je vais juste répondre à l'abonné parce que il veut m'ajouter un ami mais j'ai plus de place. Attends d'ailleurs, wesh, qu'est-ce qu'ils veulent? Par contre attends, on peut pas voir tous mes... Wesh, pourquoi on peut pas voir tous mes tops? C'est dommage. J'aimerais bien qu'on voit mes tops mais bon ça marche pas. Le truc est un peu bugué. Normalement là on voit mes tops mais là on le voit pas. Et d'ailleurs les gars, je vous dis direct. Bon, je vais vous tout expliquer, mais dans tous les cas, regardez. Ici, vous avez vos pets, donc regardez. Hop, le meilleur que j'ai, hop, 180 000. Ici, vous avez vos objets, et c'est les objets qui sont juste là. Donc là, les gars, vous avez plein de trois types d'objets. Premièrement, les trèfles et les potions de chance ici. Donc ça, vous les avez dans vos objets, moi, je les mets tout le temps. Et ici, on a les artisanats. Et les gars, il y a un bug, vous pouvez crafter, regardez. Si vous appuyez sur métier, même s'il vous manque des pets, ça va quand même marcher. Et ça va vous donner 75% de chance. Donc c'est franchement un bug très bien. On l'a découvert avec des abonnés. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà. Attends d'ailleurs, pourquoi on voit... Attendez, pourquoi on voit pas mon top? Je vais relancer le jeu. Parce que là... Hop, je vais relancer. Parce que c'est bizarre les gars. Moi je suis dans le classement normalement. Et là on me voit pas. C'est vraiment dommage. Attendez, hop, je relance direct. Ou alors sinon je vais aller dans un serveur privé, je sais pas. Mais c'est vraiment dommage parce que j'ai des classements incroyables les gars. Donc c'est un peu triste si on me voit pas. Attends, je vais marquer test. Ça marche pas. Bon, ça marche pas les gars, mais bon. C'est pas grave. Vous voyez John les gars? Et bah lui, on voit ses classements. Et bah moi, j'ai comme lui. Sauf que je suis pas top 46, je suis top 7. Là, en termes de dés, je sais plus. Pareil pour le temps. Et pour les Robux, je suis top 13. Donc voilà. En tout cas, j'ai 4 classements, donc c'est super cool. Et j'ai l'un des meilleurs pets du jeu, regardez. Je crois que c'est le 5e ou 4e meilleur pets. Et je suis top 7 mondial. Donc c'est trop trop bien. Trop 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 bien. Hop, je vais leur dire que je change. Allez, je continue ma vide. Hop, voilà. Je vais leur dire que je continue. Et puis les gars, on change. Et du coup les gars, on change de jeu directement. Et mais du coup là en tout cas, enfin bref, j'ai pas beaucoup parlé de ce jeu mais il est trop bien et je suis top 7 mondial les gars, let's go the value. Allez c'est parti, changement de jeu. Oh les gars, j'étais en train de parler avec l'abonné qui est juste là, John, et qui est dans le top combien? Top 47, 46. Et les gars, du coup, j'étais en train de parler avec lui et mon top est réapparu. Du coup regardez les gars, vous pouvez voir juste ici, regarde, je vais marquer un petit test, hop test. Regardez les gars, je suis top 45 en termes d'heures jouées. Donc évidemment, John, il a beaucoup plus joué que moi. Donc GG à toi, mon abonné. Ici, dans le top donateur, je suis 14e donateur, les gars. J'ai donné plein d'argent au jeu. En termes de pets, je suis 7e mondial parce que j'ai l'un des meilleurs pets du jeu. Donc celui-là. Et en termes de dés, je suis à combien? 37 dés. Ça veut dire j'ai rolls 37 fois. Donc c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et GG Blouds aussi. Parce que Blouds, il a... un pet stylé. Et Blouse, il est dans le top aussi.
Mais pas, je crois qu'il n'est pas dans le top des pets malheureusement. Parce que son meilleur pet c'est 25 000 et pour être dans le top il faut plus que 20, plus que 75 000 ou je sais plus les gars, je me rappelle plus. En tout cas, ici on a le plus de rouleaux, plus de jeux. Et voilà, bref, changement de jeu, on a trop parlé. Et du coup les gars, on se retrouve sur l'avant-dernier jeu. Et celui-là, je crois que je l'ai complété à 100%. Comme celui où j'ai eu le Titanic, vous vous rappelez. Bah après, le jeu où j'ai eu le Titanic, certes, j'ai eu le méga Titanic incroyable, donc le meilleur pets du jeu, mais j'ai pas tous les pets, honnêtement. Par contre, celui-là, je crois que j'ai tout. Sauf si un abonné sait s'il y a des nouveaux pets, mais je suis pas sûr en fait. Parce que regardez, la dernière fois, les gars, avec Léo, on a packé le Celestial, une chance sur 1000, et je crois que c'est le plus rare. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on n'a jamais vu quelqu'un packer mieux que ça. Donc si jamais un abonné a packé mieux, envoyez-moi une preuve sur Discord et puis je vous mettrai en post communautaire ou etc. Du coup les gars, je vais vous présenter un peu mon inventaire sur ce jeu. C'est un jeu très stylé, regardez, avec un classement juste là, mais c'est un classement en fonction de combien t'as Rolls. Donc bon, moi j'ai pas Rolls énormément. Et du coup vous avez le hobby là-bas, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous remontrer vite fait le hobby. Hop, regardez, boum, tu vas là. Par contre, il faut désactiver les pets, sinon tu vas rien voir pour le hobby. Bon là, mes pets ils sont buggés, donc tant mieux les gars. Parce que j'avoue que si je verrais mes pets, j'aurais clairement pas pu faire le hobby. Donc tant mieux qu'ils soient buggés mes pets. Hop, regardez, vous montez là, vous venez juste ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, ici vous faites les trois petits jumps, vous venez là. Oh par contre les gars, vous savez que je n'ai jamais réussi à faire. Et voilà, j'en étais sûr. Purée, pourquoi je parle? Oh j'en étais, je suis trop bête frère. Comme par hasard, quand je parle, eh ben je perds le jump. Oh, je suis vraiment trop bête. J'aurais jamais dû parler. Purée, pourquoi j'ai parlé? Les gars, vous savez, j'allais dire quoi? J'allais dire, j'ai jamais réussi à one-shot le parcours et je suis toujours mort. Eh ben, je suis mort. Hop. Et du coup, les gars, bah enfin j'ai réussi. Quand vous faites le parcours, vous pouvez équiper plus de pets. Donc c'est pour ça, c'est très important de le faire. Et vous arrivez ici. Par contre, si vous le faites avec vos pets, bon, vous voyez presque rien. Hop. Je vais lui dire qu'il peut. Mais John, par contre, me suit pas partout. Hein. Il me suit partout, ce petit œil. Du coup, regardez, hop, si je rolls, on peut voir qu'il y a plein de pets, très stylé. D'ailleurs, il n'y a pas de son, mais bon, c'est parce que j'ai désactivé et le son il est très fort dans ce jeu. Hop, et du coup, voilà, tous mes pets, je vous les montre un par un. On a le 1 sur 1000, le plus rare, le Ethereal que j'ai galéré à avoir, une chance sur 500, le Divin, on a le Mythique, le Légendaire qui est très stylé, le Épique, et ensuite, du coup, en bas, les gars, on a les trois basiques, donc le Crystalline, on a le Dog Sheriff, juste là, Brush Bandit, et on a le Beta TV. Voilà, donc franchement c'est un jeu très bien avec des pets à l'esthétique plutôt jolie. Bon là ils sont buggés mais bon c'est pas grave. Et du coup les gars, on se retrouve sur le dernier jeu. Et voilà, on est directement sur le dernier jeu de la vidéo, le septième. Et du coup les gars, celui-là c'est l'un de vos jeux préférés en plus, parce que beaucoup de gens m'ont dit que c'était votre préféré. Mais du coup les gars, celui-là il est vraiment incroyable. Et vous savez quoi? Allez, petite folie de ma part les gars. Ce qu'on va faire, j'ai bien réfléchi. Ça va être, les gars, que l'on va arrêter. Bon, je sais pourquoi je parle lentement. Je parle lentement comme un gogol. On arrête la vidéo, les gars, dès que j'ai une animation. Donc, vous verrez ce que ça veut dire une animation. Vous verrez. Mais en gros, dès que j'ai une animation de pets incroyable, on arrête la vidéo. Mais du coup, avant d'arrêter la vidéo comme un gogol, on va quand même vous montrer mes pets que j'ai. Donc, les gars, j'ai 66 millions, 500 millions. J'en ai un à 25 milliards. Donc c'est une dinguerie, c'est presque l'un des meilleurs jeux, du jeu. Et puis on a plein des jolis, regardez, je peux vous montrer. Regardez, ils sont vraiment très stylés. Ah mais je l'ai pas équipé, purée. Attends, équipe le best. Bon bref, c'est bugué. Ça m'a équipé le best. Et du coup les gars, on arrête cette vidéo dès que je pack une animation. Du coup j'espère que je vais la voir. Ici vous avez des cadeaux tous les jours. Vous avez votre inventaire avec vos items, vos potions, les auras. Moi j'ai acheté celle-là, donc vous pouvez les crafter juste ici les gars. Et du coup, hop. On peut... bah, il roll... Oh, je l'avais pas trop stylé. Et regardez, par exemple, celui-là, il a un 250 millions. Et moi, j'ai 25 milliards, donc c'est encore mieux. Et après, du coup, bah, tu rolls et puis... T'attends d'avoir des animations. Hop. Je vais lui dire que j'ai pas fini la vidéo. Parce qu'il croit qu'on a fini. Boum. Ok, on continue. Vous voyez que là, il y a quelqu'un qui a eu 300 millions. Il y en a un qui a eu 5 milliards. Mais moi, j'ai 5... 25 milliards. D'ailleurs, j'ai envie d'équiper celui-là, mais il marche pas. Ah, c'est bon. Oh regardez comment il est trop stylé. Franchement lui je l'aime bien. On a quoi d'autre? Bah du coup après je peux vous montrer les gars, j'ai ça. Qui est plutôt joli aussi. 500 millions. Mais moi c'est vraiment celui-là le mieux. Et les gars, je vous préviens direct, il y a un abonné et un modo aussi, Trexis. Et un abonné, je sais plus lequel. Désolé, mais c'était il y a au moins un mois. Qui ont packé le meilleur pet du jeu. Et les gars, le meilleur pet du jeu, je crois que c'est celui-là ou celui-là.
qu'il y en a un qui l'a ici, 500 milliards, et ici on a 1 billion. Donc je crois que c'est ça. En tout cas les gars, Trexis, ce GOAT, il a packé, je crois, le premier ou deuxième meilleur pet du jeu. Et pareil pour un autre abonné. Je sais plus lequel malheureusement, mais voilà, c'est quand même une dinguerie. En tout cas les gars, je vous ai promis qu'on arrêtait la vidéo uniquement qu'on a une animation. Et pour l'instant, il n'y a pas d'animation. Donc j'aimerais bien avoir une animation quand même, pour pas que la vidéo dure 1 milliard d'années. Parce que sinon, ça serait un peu dommage. Et du coup, ouais les gars, comme je vous l'ai dit, quand vous avez un pet incroyable dans ce jeu, vous avez une animation de malade qui spawn et vous allez voir, vous allez être choqué, je pense. Vraiment, vous allez être choqué. Oh, j'ai cru que j'en avais une, dommage. Purée. D'ailleurs, les gars, pourquoi aujourd'hui j'ai joué à 7 jeux pets RNG? Pourquoi je les ai tryhard hors vidéo? Pourquoi j'ai des pets de fou? Et j'ai une animation! OMG, what the fuck? Mais non, je suis choqué! Wesh, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, l'animation? Wesh, non! Oh, what, what? Wesh, 3! What, what, what? Oh, 4 millions Demonic Snowman! What the fuck, ce que je viens de packer de fou! Oh là là, what the fuck? Oh, je suis choqué. C'est mon cinquième meilleur pet du jeu. Oh là, regardez comment il est incroyable. C'est pour Noël en plus. Parce que là, c'est Halloween, les gars, mais c'est bientôt Noël. Et bah, gros GG, du coup, la vidéo s'arrête, les gars. J'ai packé une dinguerie. Et je voulais vous dire, oui, pourquoi je joue à tous les pets RNG, les gars? J'ai fait une vidéo sur 3 jeux où je les testais. Une deuxième vidéo sur 3 autres jeux encore que je retestais. Enfin, que je testais. Et aujourd'hui, c'est la partie 3 avec un nouveau jeu, un jeu qui a été banni et 5 jeux que j'ai déjà testés, que j'ai tryhard en vidéo. Et pourquoi je les ai joués, les gars? C'est pour la simple et unique raison que j'aimerais beaucoup que le vrai pet RNG de Big Games, ils prennent toutes les meilleures choses de chaque jeu et qu'ils prennent chaque version améliorée. Comme ça, au moins, pet RNG de Big Games, c'est la version finale avec toutes les meilleures choses. Par exemple, les animations, la map du jeu d'avant, les pets du premier jeu, etc., etc. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai une animation de fou, les gars. Donc, la vidéo s'arrête. Et on se retrouve directement pour la vidéo de samedi, qui sera peut-être la vidéo à prendre ou à laisser, que j'ai tourné avec des abonnés, la partie 2, et qu'on a packé des huge. Sinon, ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, bonne chance à tous pour gagner des huge. Ok les gars, d'habitude je fais jamais ça, mais pour une fois les gars, je vais envoyer un huge pour le concours sur Discord en vidéo. Parce que vous le savez peut-être, j'ai un serveur Discord, les gars, Pet Simulator français, c'est l'un des meilleurs serveurs d'ailleurs. On fait des concours presque tous les jours, et des concours de huge presque toutes les semaines, même tous les 3 jours presque. Et donc les gars, pour une fois, au lieu de juste envoyer le screen sur Discord, je vais vous montrer en vidéo comment ça se passe. Du coup, quand vous participez au concours sur Discord, quand vous gagnez les gars, je mets votre pseudo. Donc là, c'est Bastien qui a gagné. Il a gagné un Scary Corgi, un Scary Cat. Bon, je confonds toujours les Corgi et les Cats. Et du coup, regardez, il y a marqué DS, donc Discord. Et donc les gars, je lui envoie directement son cadeau. Et les gars, rejoignez le serveur Discord, s'il vous plaît. Regardez. Oh merde, j'ai oublié de screener. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il faut que je screen pour le Discord. Mais du coup, rejoignez le serveur Discord, les gars, vous attendez quoi? Il y a plein de huge partout à gagner. Même sur les live Twitch, il y a des huge à gagner. Il y a des huge partout, les gars. Donc rejoignez, s'il vous plaît.